Salut tout le monde, c'est Hawk45. On se retrouve pour la suite de notre épisode sur la disparition des Forerunners. Pour ceux qui n'auraient pas vu la partie 1, je vous invite vivement à la regarder. Pour les autres, voici un bref rappel de la situation. Les Forerunners ont gagné leur guerre contre les précurseurs, après quoi ils conservent leur rôle de gardien du manteau de responsabilité. Mais certains précurseurs ont survécu en réduisant leur corps à l'état de poudre. Cette poudre est découverte par les humains qui décident de l'utiliser pour ses propriétés psychotropes, provoquant involontairement le début du parasite. Les individus en contact avec la poudre précurseur mutent, deviennent agressifs et incontrôlables et infectent leurs congénères. Pour contrer cette menace grandissante, les humains et les Sanchium forment une alliance. L'alliance prend la décision d'attaquer les Forerunners pour faire main basse sur plusieurs colonies où les réfugiés du conflit contre le parasite pourraient s'installer. Les Forerunners ne peuvent laisser cet affront impuni et entrent en guerre contre l'Alliance. Après plusieurs années de guerre, la victoire revient aux Forerunners et les humains sont déchus. Le fléau parasite s'est toutefois retiré et son retour est inévitable. Les Forerunners se sont préparés en fabriquant des armes massives capables d'anéantir le parasite et ses sources de nourriture. Il s'agit des Halo. Mais cela sera-t-il suffisant ? La résurgence du parasite. En 97 764 avant Jésus-Christ, alors que les Forerunners se préparent au retour du parasite, celui-ci refait son apparition sur la planète Seaward, en bordure de la Voie lactée. Les Forerunners font leur possible pour contenir l'infection, mais ils sont visiblement mal informés sur les dangers encourus. Très vite, du fait de stratégies inadaptées, l'infection devient incontrôlable et nombreux sont les bataillons Forerunners à tomber face au parasite. Celui-ci met la main sur des milliers de vaisseaux Forerunners et forment plusieurs fossoyeurs, des formes évoluées capables de commander efficacement les bataillons parasites. Le parasite parvient également à corrompre les intelligences artificielles Forerunners via la tactique de peste logique, ce qui lui permet de prendre le contrôle de nombreuses IA. Les Forerunners sont vite débordés et perdent nombre de planètes en périphérie de l'Écoumène. Comme les humains avant eux, les Forerunners détruisent plusieurs de leurs mondes pour ralentir la prolifération du parasite. Le gouvernement Forerunner, qui jusqu'alors tentait de cacher à la population l'existence du parasite, est contraint d'en faire la révélation publique. Une sphère Maginot est mise en place pour établir un périmètre défensif autour des mondes Forerunner. Il s'agit d'une barrière de millions d'avant-postes visant à surveiller et détruire tout vaisseau parasite tentant de la traverser via le sous-espace. Les systèmes en dehors de la sphère Maginot sont abandonnés et deviennent ce que les Forerunners appellent des brûlures, des zones laissées en proie aux parasites. La stratégie défensive des Forerunners est toutefois mise à mal par le parasite qui use de la peste logique pour déstabiliser les IA assurant le fonctionnement de la sphère Maginot. De multiples brèches sont ouvertes. Le maître bâtisseur Faber lance un certain nombre d'expériences atroces sur les humains dans l'espoir de découvrir un remède contre l'infection. Il entreprend par ailleurs en 97 495 avant Jésus-Christ un premier test des Halo assisté de l'IA Mendekan Beas dans le système de Sharum Accor. L'installation 07 est activée et détruit toute vie dans le système, ainsi que les structures précurseurs. De même, le tir du Halo libère le primordial de la bombe temporelle qui le retenait prisonnier depuis des millénaires. Sur ordre de Faber, il est emmené pour étude sur l'installation 07 et soumis aux interrogatoires de Mendekan Beas. De plus, Faber outrepasse son autorité et cache l'installation au Conseil Forerunner pendant 43 ans. Toutefois, le primordial parvient à corrompre Mendekan Beas et le retourne contre ses créateurs. L'IA de classe Contender en vient à considérer les Forerunners comme une espèce décadente, tandis que le parasite lui apparaît comme la promesse d'une paix durable et impérissable. Le primordial et Mendekan Beas organisent alors un plan pour anéantir les Koumen Forerunners. Le réveil du Didacte. En 97 452 avant Jésus-Christ, un manipuleur bâtisseur du nom de Novelastre Faiseur d'Éternité se rend sur la planète RD Tyrène sous l'influence dissimulée de la bibliothécaire et fait la découverte du cryptum du Didacte aidé des humains Chakas et Tracker. Le Didacte est réveillé près de 1000 ans après son enfermement. Après avoir quitté la planète, le Didacte lègue son empreinte à Novelastre, à qui il transmet également sa mémoire, faisant de ce dernier une copie en devenir de lui-même, l'Isodidacte. Peu après, alors qu'il s'était rendu sur Janjurkom à la rencontre des Sanchium, le groupe est capturé par Faber. Le Didacte originel, appelé Urdidacte, est enfermé à bord d'un vaisseau Forerunner endommagé et envoyé à la dérive dans une brûlure à proximité de la planète Euceramidgerd.
Faber, conscient qu'une rébellion des Senshiyum est imminente, procède à l'activation d'un halo et commet un génocide dans le système de Jeanne Jurkom. La destruction de Mesrilian. Pour le Conseil Farhonor, les agissements du maître bâtisseur à l'encontre des Senshiyum doivent être sanctionnés fermement. Faber est destitué de son titre de maître bâtisseur et est traduit en justice pour corruption et usage non autorisé d'armes stratégiques lors d'un procès organisé sur Mesrilian, le monde capital Farhonor. Toutefois, le procès est interrompu de manière soudaine lorsque la faction parasite lance un assaut colossal sur Mesrilian, mené par Mendekan Bias et son installation 07. Cette attaque inattendue, qui prend les Farhonor de court, permet à Faber de s'enfuir. Mendekan Bias réussit rapidement à prendre le contrôle des 11 halos qui stationnaient à proximité de la planète capitale, tandis que les Farhonor envoient leur flotte pour neutraliser les halos passés sous le contrôle de l'ennemi. En réaction, et sur injonction des Monitors, les systèmes défensifs des halos déploient une grande quantité de sentinelles pour protéger les installations. Un dôme de protection est formé autour de la capitale, bien que futile contre la puissance de tir des halos. Au fur et à mesure du combat, il devient difficile pour Mendekan Bias de maintenir son contrôle sur l'ensemble des halos. Il perd le contrôle de 7 installations, et n'en contrôle ainsi plus que 5 pour mettre son plan à exécution, qui consiste en la mise à feu simultanée des halos pour détruire Mesrilian. Consciente du drame qui est en train de se jouer, la bibliothécaire ouvre un portail depuis la Grande Arche d'où émergent plusieurs croiseurs et vaisseaux forteresse Farhonor venus prêter main forte dans la défense du monde capital. Elle tente de rapatrier à travers le portail les halos repassés sous contrôle Farhonor. Deux halos sont détruits dans les affrontements. Seul un halo, l'installation Omega, parvient à passer le portail avant son effondrement provoqué par la mise à feu de l'installation 07. Novelastre, ainsi qu'une poignée de survivants, réussissent in extremis à emprunter le portail à bord d'une navette Farhonor. Mendekan Bias, de son côté, s'enfuit à bord de l'installation 07 après son activation et échappe à la destruction. Cet épisode marque un tournant dans la guerre qui oppose les Farhonor aux parasites. L'Écoumène a perdu sa capitale et paraît plus fragile que jamais. La reconquête de l'installation 07. À la suite des événements de Mesrilian, Novelastre rencontre la bibliothécaire qu'il reconnaît comme son époux. La mémoire du didacte original prend le dessus et Novelastre devient pleinement l'isodidacte, une copie presque parfaite du didacte original. Le Conseil Farhonor, en partie décimé depuis la chute de Mesrilian, est reconstitué autour des survivants. Il fait de l'isodidacte le protecteur de l'Écoumène en lieu et place du didacte original qui a disparu à la suite de sa capture par Faber. Il devient ainsi le commandant en chef de l'armée Farhonor et prend le contrôle des défenses de l'Écoumène. Son prochain objectif est de remettre la main sur l'installation 07, toujours sous contrôle du Primordial et de Mendekan Bias. Il parvient à localiser le halo et déploie sa flotte pour reprendre l'installation. Mendekan Bias, acculé, tente de justifier sa trahison et refuse de céder le commandement du halo. L'isodidacte n'a alors pas d'autre choix que de désactiver l'IA en utilisant son véritable nom. Mendekan Bias est désassemblé et ses fragments sont dispersés pour étude, rectification et remise en marche. L'humain Chakas, dont l'esprit contient l'empreinte de plusieurs anciens humains, dont le seigneur amiral Forsencho, est retrouvé gravement blessé dans le cartographe silencieux du halo. Les Farhonor décident de transférer son esprit dans un monitor pour le sauver. Chakas devient 343 Gultispark. Une fois l'installation complètement sécurisée, l'isodidacte part à la rencontre du Primordial. Lors de leur entretien, celui-ci révèle que jamais les humains n'ont trouvé de remède contre le parasite, balayant les espoirs des Farhonor. L'isodidacte met alors hors d'état de nuire le dernier représentant connu des précurseurs, en le désintégrant dans un champ de stase inversé. La neutralisation de Mendekan Bias et du Primordial ne signe pas pour autant la fin de la guerre. Le parasite continue inexorablement son expansion. Le retour de Mendekan Bias. Malgré la victoire des Farhonor lors de la reconquête de l'installation 07, les défaites contre le parasite sont nombreuses partout ailleurs. Avec l'aide des technologies précurseurs, le parasite dispose d'un avantage stratégique déterminant. Il utilise les voies spatiales, des superstructures précurseurs basées sur la physique médulaire
permettant de voyager très rapidement entre les systèmes et capable de détruire des planètes. À ce stade, les deux tiers de l'écoumène Pharaoner sont devenus des brûlures, ce qui représente pas moins de 500 000 systèmes sous contrôle du parasite. Les Fossoyeurs atteignent des tailles jamais vues auparavant et parviennent à maîtriser des technologies inconnues leur permettant de générer de nombreux portails de sous-espace, ce qui offre aux flottes de combat parasites des capacités de déplacement sans précédent. Le parasite parvient également à s'emparer des fragments de Mendicant Bias et réactive l'IA. En réponse à la résurgence de cette menace, les Pharaoner mettent au point Offensive Bias, une autre IA de classe Contender ayant pour mission de neutraliser Mendicant Bias et de ralentir la progression du parasite vers la Grande Arche. Tandis que près des deux tiers de la flotte Pharaoner a été contaminée par le parasite, le commandement des vaisseaux restants est confié à Offensive Bias. Les derniers espoirs contre le parasite. De son côté, Faber a reconstitué une flotte composée de serviteurs combattants déchus et de la garde des bâtisseurs, une sous-caste chargée de la défense des installations des bâtisseurs. Ils mènent plusieurs combats acharnés contre le parasite, mais l'ennemi est redoutable. Sur les 500 vaisseaux qui composaient sa flotte initiale, 480 sont détruits. Il se lance à la recherche du didacte original, l'urdidacte, jugeant finalement qu'il était nécessaire pour vaincre le parasite. Il parvient à le retrouver après que celui-ci a été capturé et torturé par un fossoyeur. Puis, il le livre au maître juriste. Cet acte lui vaut la grâce du conseil, qui ne tarde pas à lui redonner les pleins pouvoirs dans l'espoir que son génie puisse sauver les Pharaoner en proie à l'extinction totale. Quant à l'urdidacte, il récupère également ses privilèges et son vaisseau personnel, le Mental Approach, lui est restitué. Toutefois, l'isodidacte conserve son autorité militaire. À son insu, la graine de la discorde a été plantée dans l'esprit de l'urdidacte par le parasite. Sa haine des humains et sa conception militaire du manteau ont été amplifiées à l'extrême. Toujours opposé au Halo, l'urdidacte emploie des méthodes traditionnelles pour lutter contre le parasite, envoyant des troupes au combat contre ce fléau. Il réalise également des expériences sur son propre corps, cherchant une immunité contre l'infection, mais essuie échec sur échec. Lui vient alors l'idée, qu'il met à exécution, de former une armée de guerriers immunisés par nature contre l'infection. Il recompose son armée de Prométhéens et injecte l'esprit des Pharaoner recomposés ainsi que celui d'humains recomposés dans des corps robotiques, créant ainsi les Chevaliers Prométhéens. Cette nouvelle armée s'avère relativement efficace contre le parasite, bien que trop peu nombreuse. L'urdidacte est par ailleurs ouvertement opposé à l'isodidacte, qui lui estime que les halos sont la seule solution crédible contre le parasite. Le didacte original n'a pas changé d'avis, il considère toujours les halos comme une violation du manteau de responsabilité et estime que leur utilisation répéterait le péché commis lors du génocide des précurseurs. Il souhaite rassembler les survivants Pharaoner sur le monde bouclier de Requiem et vaincre le parasite à l'aide de son armée de robots prométhéens. Toutefois, son plan ne convainc pas l'isodidacte, qui prépare l'ultime bataille contre le parasite aux abords de la Grande Arche et du Halo Omega, où sont rescapés les survivants Pharaoner et plusieurs centaines de milliers d'humains. La bataille de la Grande Arche. Le moment fatidique est arrivé. Le parasite fait son apparition à proximité de la Grande Arche et du Halo Omega. Une quantité importante de voies spatiales font leur apparition et des millions de vaisseaux parasites engagent le combat contre les défenseurs Pharaoner. Le combat semble perdu d'avance, mais Offensive Bias fait son possible pour coordonner la défense de la Grande Arche. Le plan de préservation doit être mis à exécution. La bibliothécaire ordonne à 343 Gultispark de déplacer un transporteur de classe Gargantua contenant de nombreux spécimens depuis la Grande Arche vers le Halo, afin d'y embarquer les nombreux humains présents. C'est alors que l'urdidacte fait son apparition à bord du Mental Approach et utilise un recomposeur sur les humains pour grossir son armée de Prométhéens. Malgré la tentative de la bibliothécaire de s'interposer, le didacte réussit son entreprise et les humains sont recomposés. La bibliothécaire ordonne alors à 343 Gultispark de retrouver l'isodidacte et d'amener le transporteur Pharaoner sur la petite arche, tandis qu'elle part à la poursuite de l'urdidacte jusqu'à Requiem. L'isodidacte a rejoint Faber et plusieurs généraux Pharaoner dans la salle de contrôle de l'installation Omega pour activer le Halo et obtenir les coordonnées de la petite arche. Toutefois, les voies spatiales parasites attaquent le Halo et parviennent à le découper, provoquant l'effondrement de la salle de contrôle. Faber et les généraux sont tués, tandis que l'isodidacte est sauvé in extremis par 343 Gultispark. Tous deux prennent la direction de la petite arche.
De son côté, Offensive Bias est aussi transféré sur la Petite Arche lorsque la bataille semble définitivement perdue, afin d'y renouveler ses actions défensives. Le dénouement du conflit. Arrivé sur la Petite Arche, l'isodidacte constate que 6 nouveaux halos sont prêts. Ils sont surnommés halos néotériques, car ils sont contrôlés depuis la Petite Arche et se distinguent des précédents halos, surnommés halos sénescents, qui étaient contrôlés depuis la Grande Arche. L'isodidacte déploie les halos et initie les préparations de mise à feu, tandis que des messages provenant de Pharaoner éparpillés aux quatre coins de la galaxie affluent, demandant du temps supplémentaire pour gagner la Petite Arche et ainsi être protégé du tir. Offensive Bias et sa flotte se rendent aux abords de la sphère Maginot pour livrer bataille contre Mendekan Bias. C'est la bataille de la sphère Maginot. Cette opération vise à faire gagner du temps à l'isodidacte, alors que les halos sont toujours en cours de préparation pour leur mise à feu. Malgré une écrasante supériorité numérique des forces parasites, les forces d'Offensive Bias tiennent bon. De son côté, la bibliothécaire s'est rendue sur Requiem afin d'y retrouver l'urdidacte et le neutraliser. Sur place, elle convainc Volonté sans faille, l'un des plus fidèles lieutenants du didacte, de l'aider dans sa tâche. Ensemble, ils parviennent à enfermer le didacte dans un cryptome qui restera sur Requiem. Elle espère qu'en forçant le didacte à vivre dans le domaine pendant des millénaires, il sera guéri de la haine qui l'habite. La bibliothécaire l'ignore, mais le didacte s'est laissé enfermer afin de survivre au tir des halos et faire renaître l'écoumène dans le futur. La bibliothécaire place ensuite la planète sous le contrôle de l'un de ses programmes, prenant le soin de restreindre le rôle des Prométhéens à la défense de la planète et laissant un message à l'attention des futurs visiteurs. La bibliothécaire se rend ensuite en direction de RD Tyrène et diffuse un message à l'attention de l'ensemble des forces parasites pour informer l'ennemi qu'elle est sur le point d'assembler un remède contre l'infection, dans l'objectif de détourner l'attention du parasite de la Petite Arche. Elle avait auparavant pris soin de demander à Champ de Verdure, une biotechnicienne à son service, de sécuriser les humains encore présents sur RD Tyrène. En arrivant sur la planète, elle passe son titre de biocréatrice à Champ de Verdure et lui demande de se rendre sur la Petite Arche avec les humains qui ont été secourus sur la planète. Champ de Verdure parvient à rejoindre la Petite Arche. Peu après, l'installation 04 fait feu, devenant ainsi le Halo Alpha, le premier Halo à avoir ouvert le feu. Elle est bientôt suivie des autres Halos, faisant feu à tour de rôle. Toute vie pensante est détruite dans la galaxie, les seuls survivants sont les individus présents sur la Petite Arche, située hors de la Voie Lactée, et ceux se trouvant dans le sous-espace, comme l'urdidacte qui est enfermé dans son cryptome. La bibliothécaire périt, ainsi que l'ensemble des Pharaoner qui n'ont pas pu rejoindre la Petite Arche à temps. Les forces parasites et l'ensemble des vaisseaux impliqués dans la bataille de la sphère Maginot sont eux aussi touchés par l'onde destructrice des Halos. Offensive Bias profite alors de la situation pour reprendre l'avantage sur Mendekan Bias. Il parvient à le capturer et le livre à l'isodidacte qui l'enferme dans un cercueil et l'enterre dans les sables de la Petite Arche. Champ de Verdure, accompagné des biotechniciens survivants, lance le réensemencement afin de réintroduire les espèces conservées sur leur planète d'origine. Par ailleurs, certains spécimens parasites ont été conservés sur les halos pour être étudiés. Une ultime preuve de l'arrogance des Pharaoner qui pensaient jusqu'au bout pouvoir contrôler leur pire ennemi. Apprenant que le domaine s'est replié sur lui-même après avoir été lourdement endommagé par les tirs des halos, l'isodidacte et Champ de Verdure voyagent jusqu'aux ruines de Mesrilian. Ils y trouvent une solution pour lancer le processus de guérison du domaine, après quoi ils récupèrent des vaisseaux capables de quitter la Voie Lactée et vont s'installer en dehors de la galaxie pour y passer le restant de leur jour. Les autres survivants Pharaoner font de même, s'éparpillant hors de la Voie Lactée et abandonnant leur technologie, ce qui conduit à l'extinction du peuple Pharaoner. Quant au didacte, l'absence du domaine empêche la guérison de son esprit. La guerre aura été rude, les tactiques employées radicales, mais les Pharaoner sont sortis vainqueurs du conflit et le parasite semble vaincu. La vie peut de nouveau reprendre ses droits et se développer dans la galaxie. La disparition des Pharaoner laisse la Voie Lactée orpheline de la civilisation qui s'était donnée pour mission de la protéger. La guerre reviendra, de même que le fléau qui menace toute vie dans l'univers. Voilà tout pour la deuxième et dernière partie de notre épisode dédié à la disparition des Pharaoner. Un grand merci à Lunar Amethyst et à l'ensemble des contributeurs du Wiki Halo sans qui cet épisode n'aurait jamais pu être écrit. Ils font un travail titanesque, de qualité et qui mérite des éloges. Allez, je vous dis comme d'habitude, on se retrouve bientôt pour la suite, à plus la compagnie et vive Halo!